C'est avec une grande joie et un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour une échange citoyenne avec les papas du Congo de Talangaï. En effet, le collectif des papas du Congo, en sigle CPC, est une association à caractère socio-économique et culturel qui contribue pour le bien-être des enfants à travers l'éveil des consciences des papas que nous sommes face à la responsabilité vis-à-vis de l'éducation de nos enfants, la promotion d'une éducation positive en contribuant avec les autorités politiques à l'amélioration du système éducatif afin qu'il cadre avec le marché de l'emploi actuel. La lutte contre la violence et les abus afin de promouvoir un environnement sûr, sain et protecteur pour nos enfants. La plaidoirie pour des politiques favorables à l'épanouissement de nos enfants. Je me permets de vous rappeler notre mission commune qui est de protéger et de lever nos enfants dans un environnement stable et sain. Car nous sommes des gardiens de leurs rêves, de leurs sourires et de leurs espoirs. Nous devons les encourager à rêver grand, à croire en eux-mêmes, même si, quand la vie leur lance des défis difficiles. Chers tous, le CPC doit être un pilier essentiel pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, car nous allons travailler sans relâche pour offrir un avenir meilleur à ces derniers. Les problèmes de mon quartier se résument ainsi qu'ils sont. La pauvreté des parents, le manque d'emploi des jeunes, le désœuvrement, l'abandon des enfants par la famille, l'État et l'Église, la fréquentation des milieux malsains, le chômage, le manque de formation qualifiante, le manque de structures sportives et de loisirs sains qui exposent les enfants de Mpila aux actes ci-après. Viol, braquage, vol, tabagisme, vagabondage sexuel, grossesse indésirée, assassinat et suicide. Afin de pérenniser et de promouvoir l'unité nationale, la sécurité et la paix pour tous, credo cher au président de la République, nous, membres du comité des papas du Congo du quartier 601 Pila, réaffirmons notre volonté d'être des papas modèles au service de l'éducation et de l'encadrement de nos enfants. Prenons l'engagement d'aider les pouvoirs publics dans le processus de sécurisation de notre quartier. Promettons, aux côtés du collectif des papas du Congo, de lutter contre l'incivisme des enfants sous toutes ses formes. Notre association, dénommé Collectif des Papas du Congo, en sigle CPC, qui fait sa sortie officielle ce jour 3 août 2024 et qui a pour objectif principal la lutte contre le civisme en milieu urbain, est pour nous la bienvenue. C'est ainsi que notre quartier 602 Talangaï adhère grandement à cet objectif. Pour ce faire, nous souhaitons collaborer et travailler étroitement dans la franche entente avec le bureau coordonnateur du dit bureau.
Ainsi, souhaitons-nous des descentes du bureau au sein de notre quartier pour des séminaires d'éducation des jeunes. Lutter contre la vente des stupéfiants et leur consommation par nos populations. Trouver les mécanismes de diminuer, dans la mesure du possible, le chômage des jeunes par l'apprentissage des petits métiers. Collaborer et se faire accompagner par la force publique pour traquer tous les malfrats qui causent préjudice à autrui. Dans la mesure d'économiser notre temps, nous allons clore notre mot en vous félicitant et en vous remerciant et en remerciant également toute personne de près ou de loin qui a participé pour la création de cette association. Pour permettre aux habitants de présenter leurs doléances. 1. L'insécurité, qui est la présence des bébés noirs. 2. Manque d'une école publique dans le quartier 63 d'Hexagone. 3. Les inondations. Voilà comment se présentent les doléances du quartier 63 d'Hexagone. Mon vœu le plus sincère est que le collectif des papas du Congo concrétise les objectifs fixés pour le bien-être des Congolais en général et de la couche juvénile en particulier. Monsieur le coordonnateur national, messieurs les membres du bureau de la coordination nationale, le quartier 604, tout comme les autres quartiers de l'arrondissement 6 Talangaï, ont presque les mêmes préoccupations. Celui-ci est fortement peuplé des jeunes qui, pour la plupart, sont désœuvrés et démunis. Si bien qu'ils sont attirés par le gain facile, d'où leur adhésion au groupe des malfaiteurs dénommé Bébé Noir ou Kuluna. Le quartier 604 rencontre des problèmes ci-après. Le manque des structures de formation aux petits métiers, comme la soudure, l'électricité, la pâtisserie, la plomberie, la menuiserie, le bâtiment et le froid. L'insécurité dans des zones perpétrées par des bébés noirs. Doléances et recommandations du quartier 605. Conscient de la nécessité de mobiliser l'opinion publique et sa volonté pour entreprendre les changements de mentalité et de comportement injustes de nos enfants. Devant les difficultés, les obstacles rencontrés dans le quartier, par conséquent, le quartier 605 se fixe comme objectif de participer effectivement dans la vie éducative de nos enfants. Merci de nous avoir amenés dans cette enceinte pour que nous échangeons dans nos quartiers. Les doléances du quartier 606 Champ de Tir se présentent en 8 axes. Et nous nous servons le désir de vous les présenter. 1. Mettre à la disposition du bureau des comités du quartier le règlement intérieur de l'association. Cet instrument juridique accompagne les statuts. 2. Mettre à la disposition des bureaux des comités des quartiers la copie du récépissé du collectif des papas du Congo. 3. Organiser les séminaires sur le changement des mentalités des papas et de nos enfants. 4. La création des petits et moyennes entreprises dans nos différents secteurs. L'apprentissage aux petits métiers à nos enfants, entre autres, soudure, conduite,
menuiserie, maçonnerie, plomberie et autres. 6. L'organisation des opérations d'assainissement des cimetières de la Tiémé d'une manière régulière. 7. En collaboration avec la mairie de l'arrondissement Sistalangaï, des églises et de la population du quartier 606. 7. L'éclairage des grandes avenues et certaines ruelles de nos différentes zones du quartier 606. Et enfin, 8, l'organisation des activités sportives saines. Il ne s'agit pas d'une question d'honneur, mais il s'agit d'une question d'éthique. Lorsque nos parents nous ont éduqués, on a grandi, les machettes existaient, les couteaux de table existaient, rien de nouveau là. Mais d'où vient-il que les enfants que vous et nous mettons au monde se servent de ces instruments-là pour nous traumatiser, nous qui sommes leurs parents? Nous ne sommes pas d'accord. Déjà là, nous saluons la dextérité du nouveau commandement de police. Nous devons avancer. Nous sommes contre personne. Le chef de l'État lui-même dit que non. Tout est donné par le bout de l'effort. Sans l'effort, sans le sacrifice, on ne peut pas atteindre l'objectif. Et cet objectif que nous avons commencé à prendre, cet élan-là, on doit le viser aussi loin. Et on doit atteindre et arriver aussi à cela. Et comme si on dit, le collectif des papas du Congo est là pour prôner la paix, la tolérance, l'humilité et la solidarité. Donc, nous sommes ici. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est le bureau fédéral de Talangaï. Demain, ça sera aussi de Wendé, comme les 9 arrondissements. Bon, la mission principale est celle d'éduquer l'enfant. Parce que, quel que soit le comportement d'un enfant mauvais, mais le papa n'a aucun droit de le laisser dévorer par un lion. Voilà l'ensemble des parents. Ont comme le devoir d'éduquer l'enfant. Parce que l'enfant d'aujourd'hui se retrouve dans la dépravation des mœurs. Il nous faut les enfants éduqués pour que le Congo retrouve ses premiers pas. Avant de trouver le travail, il faut être d'abord éduqué. Si on n'est pas éduqué, mais comment être bon dans le travail? Vous voyez, rassembler les parents, rassembler les jeunes, la jeunesse. Au fur et à mesure, on procède à l'éducation pour que l'enfant prenne en main sa vie saine.